sorti encore. Je profite d'une accalmie. Parce qu'on traverse et soleil, averse et soleil, averse. Il y en a marre. Bon, ben en attendant que tout ça soit fauché, hein, moi je vais faire un tour du côté du bois là. Et on verra bien ce qu'on y trouve. Beaucoup de très gros chênes ici. Hein. Vraiment de sacrés spécimens, hein, je peux vous le dire quoi. C'est vraiment un vieux bois ici. Hein. C'est très dégagé. Pour l'instant j'ai trouvé une serpe, enfin une grosse serpette. C'est assez étonnant cet endroit. Je ne saurais pas vous expliquer, mais c'est assez étonnant. Si la vidéo est un peu bizarre, parce que mon téléphone en fait est dans un petit sac plastique. Donc ça peut faire des effets à la David Hamilton, vous voyez ce que je veux dire quoi. Hein, ne vous attendez pas à voir une petite naïade passer en faisant son tutu là. Ça marche pas, non. Ça ne marche pas. Les amis. Après un petit moment, je dois dire, de panique, vu que j'avais perdu la télécommande. Alors, hein, vous imaginez un peu ce qui passe par la tête, mais bon, j'ai réussi à la retrouver. Tant mieux pour moi, en moins de 5 minutes. En plus, je l'ai trouvé à côté de ce chêne, et ce chêne a sonné. Alors, il a sonné, donc j'ai creusé assez profond, parce que c'était entre deux racines, c'était assez chiant à voir, en plus, j'ai pas... Et j'ai sorti quand même la chose. Alors au début j'ai cru à un ferreux, mais en fait ça sonnait pas du tout comme un ferreux. Regardez. Certains ont déjà compris ce que c'était. Moi j'ai mis quand même quelques secondes avant de réagir. C'est bien. Il me semble bien que c'est un bout de clé. De clé romaine. Purée. C'est pas tous les jours qu'on sort du roro. Hein. Yes. Waouh. Merde. Ah merde. Là. Très étonné. Je suis vraiment très étonné parce que là je suis dans le nord quelque part au-dessus de Sarrebourg quoi. Et en Moselle, dans ces coins-là, je peux vous assurer que vous faites pas un bois sans ramener 3 kg d'eau. Ça c'est un grand classique. Pourtant j'en ai pas fait une. Ça fait une demi-heure que je marche dans ce bois. Je n'ai pas fait une douille. Alors soit c'était complètement ratissé par des centaines de détecteuristes avant moi, mais c'est dingue quoi. À part le bout de clé romaine et la serpe que j'ai pas filmé, rien. Nada, un film, rien. Bon ben aujourd'hui sortie lamentable. Sortie lamentable. Donc il y a cette serpette là, ce qui est marrant, vous voyez, il y a le bout qui pour l'accrocher à la ceinture, je pense. De la douille, une ogive, du shrapnel. Ça je sais pas ce que c'est. Et le bout de clé romaine. Bon, ça,
ça, à elle seule, ça résume le bien fondé de ma sortie. Donc on va nettoyer ça et on verra là. Putain, c'est cool ça, ça c'est vraiment cool. Bien. Alors, salut messieurs. Costa Bernet, monsieur Tefal. Salut. Petite sortie de 2 heures dans une forêt encore bien humide. Voilà, voilà. Bon, on fait un peu de chemin ensemble. Les oiseaux chantent, cuicui. L'herbe pousse. Les ronces aussi. Alors, vous voyez comme nous les dégâts que peut faire la flotte, hein, n'est-ce pas? C'est bien, ça se trouve, il y a peut-être des pièces là-dessous. On continue? Ok, ben on continue alors. On continue. Eh ouais, putain de pluie. Ah ouais, puis celui-là, il va peut-être se casser la gueule. Waouh. De toute façon, il y a du sable partout. Tout le sable de la forêt qui vient de là-haut était ramené ici. Quoi. Jeune ça, pas tout jeune, cette source, pas une fontaine, une source fontaine. Mmh. Bon ben, premier son, ça a un son, ça m'a monté à 88-92. Carrément. Et première monnaie, bien noire de forêt. Je sais pas du tout ce que c'est. On dirait qu'il y a une tête là, mais. Peut-être. Ça ressemble à du napo. Pour l'instant, ça donne rien du tout quoi. Ah, si, je vois que ça se dessine derrière. Et un écusson. Ah ouais, donc c'est. Ça peut être un liard à l'écu ou un truc comme ça. Ouais. Pendant que monsieur Tefal fait ses trous, et moi je viens de trouver une monnaie à ciel ouvert. Regardez. À ciel ouvert. Une petite Marianne. Ah non! Ah c'est. Enfin. Je pensais que c'était les derniers francs là, mais en fait non, c'est un 10 francs coq. Ah, même le sol, donc ça a dû pas mal être abrasé par l'eau ici. Hein. Ah voilà, nickel. Elle est toute propre. Toute propre. C'est étonnant. Juste à côté de la 10 francs, ça sonne et bing boum. Voilà. Encore une nouvelle monnaie. Cette fois-ci, c'est une 20 francs. Donc, t'as fait la 10 francs et là. Et la 20, voilà, pardon. Et voilà. C'est un peu mieux quand je cadre bien. Ouais. Et ben, c'est marrant, moi. J'ai peut-être resté un peu sous le secteur là. Ben, une chose bizarre pour moi, c'est que là, bon, je viens de reboucher quoi, mais à la base de cet arbre, je viens de trouver plein d'ogives. Alors il y a la 12-7, il y a du Lebel, il y a du Moser, il y a du plus petit, bon là je sais pas comment ça s'appelle. Hein. Mais c'est quand même bizarre. Je suis absolument certain que c'est quelqu'un qui s'en est débarrassé là. Un détectoriste qui est passé, qui a foutu sa merde ici. Et... C'était quasiment en surface. Hein. Voilà, donc super. Super. Il est magique ce petit puits là. Hop, et là, encore à côté. Bon, c'est pas extraordinaire, c'est une Marianne, mais à 10 centimes, mais ok. C'est toujours ça de sortie. Ah, la netteté. Bon, là, nous sommes en présence de très vieux chemins. Et voici là une jolie vieille borne. Alors, à l'armoirie, ça représente dans le coin ce qu'on appelle le pays de l'anneau. C'est le canton qui est dans le coin.
Et là, nous avons 1776. Rejoindre mon ami, et parce que là je suis vraiment, enfin c'est pas facile d'avancer là-dedans comme vous pouvez le voir hein. Et pourtant là dans un trou je viens de faire une il n'y a pas de lumière. Ah si, là c'est un peu mieux. Voilà, une petite boucle queue de poisson. Là, on continue toujours à progresser dans la forêt, qui est vraiment assez étrange. La flotte qu'elle a subie, je vous assure qu'elle est vraie, elle est vraiment bizarre. On la dirait presque vierge en fait. On a du mal à progresser. Et bah parce qu'elle est sur le chemin, moi je fais les côtés et puis là, bim bon, petit son. Et j'ai l'impression là que c'est un loulou. Et donc ce serait un 2 deniers, un 1 ou un 2 deniers. Moi je dirais plutôt un 1 denier. On verra au nettoyage quoi, si j'arrive à en faire quelque chose. Voilà, voilà. Bon allez, c'est reparti les amis, c'est reparti. La flotte qui a vraiment tout arraché, hein. Je sais pas si vous voyez, mais vous voyez, les sentiers sont mis à nu, quoi. Maintenant c'est carrément les plaques de roche, carrément. Alors je sais pas s'ils étaient à l'origine comme ça. Si au Moyen-Âge c'était de la roche comme ça, certainement. Hein. Et là, la flotte a tout lavé. Pouh, on va s'en prendre un sur la tronche. On va s'en prendre un sur la tronche. On a entendu un arbre tomber tout à l'heure dans le coin. Alors la flotte a carrément mis les sentiers à nu. Voilà, voilà. Incroyable. Vraiment sauvage. Je vous dis, on va s'en prendre un sur la tronche. C'est assez... assez incroyable. Et on a du mal à progresser sur les côtés parce que c'est vraiment... Enfin, les ténèbres ténébreuses et ténébrantes. On est quand même en plein jour, hein. Poursuivre par des orques. Oh, un peu de lumière. Un peu de lumière. Ah.
Regarde ça. Si ça, c'est pas un morceau de rocher qui devait être cassé là. Avec les morceaux de bois qu'on trempait d'eau pour casser la pierre. Ah ouais, c'est sportif, hein, ici, c'est... On aurait pu tourner le film Délivrance, hein. Oula, 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 ça casse pas la gueule, gars, ça casse pas la gueule. Ouf. Ah là là, nos forêts. Ouais, attention. Voilà, voilà, les petits rochers. Oula. Il y a des arbres qui sont tombés, là. Oula là, il y aura pas pu être en dessous, là, hein. Et voilà la flotte. Et voici la flotte. C'est par là d'ailleurs que j'avais trouvé l'obus de 75 la semaine dernière. Ouf, et ben, la descente a été fatigante. Bon ben voilà le résultat de la petite sortie. Ça c'est un fer à bœuf que bah oh, gentiment offert Tefal. Bon, de l'ogive, hein, mais bon, tous ces ogives-là, comme j'ai dit avant, je les ai pour ainsi dire trouvées toutes d'un coup. C'est quelqu'un qui a dû les laisser là, et puis voilà. Donc la boucle, ça c'est un cul de chevrotine, ça c'est, je sais pas, un derrière de bouton, une plaque ronde, je sais pas ce que c'est, les 5 monnaies, un bout d'harmonica, un bout de métal, l'outil, grenade, puis voilà quoi. Une bougie, la clé de voiture, le paysage, le Basberg, un arbre, une ruche, la terre. Ok, bon bah nous on va se rentrer, on va se boire notre petite mousse, hein. On l'a bien mérité. Et puis...